Salut tout le monde! Alors je reviens cette fois-ci avec une vidéo un peu différente dans le sens où ce que je vais faire, c'est que je vais tirer les cartes pour les célibataires qui sont bloqués en amour, qui se sentent bloqués en amour. Donc, voir justement quelle est la situation qui vous bloque, d'accord? On va dire peut-être le pourquoi vous êtes bloqué et quelle est l'attitude que vous avez par rapport à cette situation qui vous bloque, d'accord? Et ici, j'ai tiré des petites cartes juste pour voir justement quel est le message que ces cartes ont à nous apporter. Peut-être qu'après j'utiliserai l'oracle de Mélisse, je vais voir, d'accord? Donc, on va faire comme ça. Le premier tas, le deuxième tas et le troisième tas, ok? Donc, le premier tas, j'ai pris franchement un petit bijou que j'avais. La fille qui commence à peine sur ses vidéos YouTube, ça se voit. Donc là, en fait, on va avoir cette petite pierre bleue. Ok. Toute simple. Mais c'est la bleue. Ici, ce sera la transparente. Voilà. Ok. Et ici, ce sera la verte. La verte. Ok? Donc, ce que je vais vous demander, c'est d'arrêter la vidéo, de la stopper, de vous connecter à votre intérieur, à demander même à votre ange gardien, à votre univers, à votre... Voilà, je ne sais pas si pour certains c'est le soleil, mais vous vous connectez au soleil, enfin voilà. Vous vous connectez intérieurement, d'accord? Pour choisir un de ces trois tas, ok? Donc, bleu, transparent ou vert. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais découper très certainement la vidéo en trois, d'accord? Donc, on va commencer par le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Allez, stoppez la vidéo, réfléchissez bien, connectez-vous et demandez le pourquoi vous êtes bloqué, quel est le message qui doit être apporté à vous, ok? Et bonjour, me revoilà avec une vidéo donc pour le troisième tas, ok? La pierre verte. Je ne sais pas si on voit bien. Tac. Donc, quelle est la situation qui vous bloque en amour? Pourquoi vous êtes célibataire encore? Ok? Quelle est votre attitude face à cette situation qui vous bloque, d'accord? Et un message comme ça, parce que oui. Ok? Donc, c'est parti. La mort. Donc, alors, quelle est la situation qui vous bloque? Peut-être justement que, mis à part, bien évidemment, la mort en elle-même, mais ça va indiquer justement qu'il y a eu une transformation et un changement radical qui a fait que vous soyez célibataire. Peut-être que justement, ce qu'il y avait en vous comme amour, c'est comme si vous vous êtes refroidi. D'accord? Et avant que il y ait un changement, l'herbe doit repousser. D'accord? Ça prend du temps. Ou peut-être tout simplement qu'il y a eu une séparation avec quelqu'un et c'est cette séparation-là qui vous, justement, provoque que vous soyez encore célibataire parce que vous ne voulez tout simplement pas vous engager avec quelqu'un. Pour d'autres, ça peut indiquer justement qu'il y a eu un changement radical, hein, et que justement, c'est la fin de cette situation où vous allez commencer quelque chose de nouveau. D'accord? On va voir l'attitude que vous avez face à ça. Voilà. 3 d'épée et 3 de bâton. On est dans les 3. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, on va vous indiquer justement peut-être que certains, ils ont été vraiment trahis émotionnellement, ils ont eu beaucoup de mal, d'accord? Et pour ouvrir justement une nouvelle page de ce journal, il faut du temps et il faut justement une transformation. Parce que peut-être que quelque chose nous a fait vraiment très très mal, d'accord?
Il faut ouvrir encore ce livre, il faut créer une nouvelle page. Ce qui s'est passé auparavant, c'est terminé. Donc maintenant, il faut se lancer et aller vers quelque chose de meilleur. Et voilà, c'est peut-être pour ça que vous êtes bloqué, parce que peut-être que vous êtes encore ancré dans ça. D'accord? Là, la 3 de bâton ici, peut-être elle va justement vous indiquer, peut-être que à un moment donné, peut-être d'ailleurs, vous avez été focus sur quelque chose et ça ne vous a pas permis d'ouvrir la nouvelle page de ce livre. D'accord? Mais là, en tout cas, vous avez envie de, peut-être pour certains d'autres, hein, vous avez envie justement d'initier quelque chose, une nouvelle aventure. D'accord? Message pour âme sœur. Alors, moi, ce que j'interpréterai, pardon, là, c'est peut-être justement que vous aviez un lien avec une âme sœur, un âme sœur, que vous aviez un lien et que justement, ben ça s'est terminé. Ça s'est terminé et on vous redemande d'avoir une nouvelle attitude et de commencer quelque chose de nouveau. Parce qu'il y a une rupture. Pour d'autres, ça peut justement indiquer que vous êtes passé par ça et maintenant on vous demande donc du coup de renouveler une situation amoureuse justement, que vous allez peut-être justement entreprendre une nouvelle relation et justement peut-être que vous allez tomber sur votre âme sœur, je vous le souhaite. D'accord? Je vais tirer les cartes de l'oracle de Mélisse pour voir qu'est-ce qu'elles disent. Carte conseil pour le tas vert, le troisième tas. Waouh, celle-là, elle a été expédiée. Tac. Fée marraine, à ta naissance, une fée est venue pour te guider et t'orienter. Elle est une marraine pour toi, elle t'aime. Pour certains, vous êtes protégés. Peut-être que justement, le fait d'avoir eu cette rupture, peut-être que justement, c'est votre ange gardien, votre fée marraine, ce que vous voulez qui vous protège, en quoi vous croyez, en vos dragons, voilà. En l'univers. Et justement, peut-être que justement vous êtes protégé et elle vous indique que voilà, il y a une transformation à faire et il y a justement le fait de peut-être rencontrer cette âme sœur. Je vais en tirer une deuxième quand même. Alors, conseil. Waouh, expédié aussi, décidément. Cercle des fées. Tout comme les fées, créez des cercles d'amis où tout le monde peut rigoler, partager et s'amuser. Soyez sincères entre vous, dansez et chantez. Donc celle-là, peut-être justement, elle va vous indiquer que suite à quelque chose qui vous a meurtri, ben, il faut que vous voyiez justement que vous sortiez et que vous rencontriez des gens, peut-être juste avec des amis, peut-être que vous ne sortez pas assez justement. D'accord? J'espère que ce tirage vous parle. Donc je vous laisse. Si vous avez aimé, likez la vidéo. N'hésitez pas à commenter. Ça me fera plaisir de voir ben, si ça parle aux gens. Et je reviendrai vers vous si tout va bien avec une autre vidéo. À bientôt!